Voilà. Une cuillère portugaise. Voilà. Vous voyez? Recule un petit peu. Recule un petit peu. Une cuillère portugaise. Hein, pour manger la soupe. Pour faire du régime. 17 kilos en moins. Hein? Plus on mange avec la cuillère portugaise. Et plus tu maigris. Voilà. Pour faire les trous. Alors comment on fait? Pour mettre un poteau. Regardez. Hein? On prend un poteau. On prend un poteau. Voilà, moi je fais comme ça. On met le cordeau bien sûr. Hein, il y a un cordeau. Là, on met le cordeau premier. Et on met comme ça. Du bout, le cordeau, il va jusque là-bas en bout. Là-bas. Et après, on le met là-bas. Vous voyez, d'un bout à l'autre. Voilà. Et ensuite, après vous mettez le premier poteau. Et ensuite, regardez. Hop. Le mètre, il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres. La largeur d'une plaque. La largeur d'une plaque, il fait 2 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met dans la fouillure. On met le cordeau. Et on met de niveau. Parce que là, ça va dans l'encoche là-bas. Le poteau, là, il stoppe le. Il a un butoir, là, pour la plaque. Donc, on met dans la fouillure, au niveau du butoir, on met le niveau et on vient ici, vous voyez. Et là, c'est le milieu. Vous voyez, c'est le milieu. Et donc on fait un trou. On fait un trou. Hop, on l'enlève. On fait un trou. Et là, avec ma cuillère portugaise, plus on en mange et plus on maigrit. Hein? Allez. Parce que j'ai la tarière. Fais voir la tarière. La tarière. Vous voyez? Elle est là-bas. On s'en sert jamais. Elle est toujours en panne. Et quand il n'y a pas de racines, il y a des cailloux. Et donc c'est 5%. C'est de l'argent qui dort là-bas. Un investissement de merde. Ça, ça vaut 100 euros, ça marche tout le temps. Bien sûr, avec l'huile de coude. Alors, regardez. Vous voyez? Comme ça, regardez. Et heureusement que c'est là, hein, parce que. On n'aurait pas eu ça, parce que comme on a une grue, mais la grue avec l'intérieur, la grue elle passe pas partout. Alors ça, allez, hop, fais voir le trou, regarde. Et regardez, hop. Bon, c'est vrai que, mais bon, enfin, vous avez vu, ça, même les racines et tout, hop, on les coupe. Vous voyez, allez, vous voyez. Ah, ben bien sûr, c'est physique, mais bon. Voilà. C'est comme ça qu'on met les poteaux. Hein? Alors, soit vous les achetez, les plaques, et les poteaux, la clôture, sur la pose, ou alors, avec la pose. Mais il faut savoir que... Et regardez. Bon, tu vois? Et là, on fait ça. Maintenant, on vérifie, on met la corde, le cordeau. Maintenant, le poteau vient là. Alors, on remet le mètre, le niveau. Le niveau, on remet. On met le niveau là. L'alignement là. Ici, on s'arrange. Alors la bulle elle est au milieu, là-bas, on s'arrange qu'ici, vous voyez, pas encore, il faut bien le mettre. Comme ça, là il a les niveaux là, vous voyez, là-bas
sur le butoir. Ça pose sur le butoir, le mètre. Là, les niveaux. Et maintenant, on prend un mètre. Là, ce qui va dans la fondation, c'est 75 cm. Comme le niveau il est comme ça. Et maintenant, on regarde combien il y a de profondeur. Là, il y a 60. Vous voyez ? Il y a 60, il faut creuser jusqu'à 75. J'ai encore 15. Hein, 75, 70, j'ai encore 15 à 200 cm. Vous voyez ? À creuser. Et voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà, je remonte. Voilà. Avec la. Ça, c'est la. La mini pelle portugaise. Et ici, vous avez la mini pelle. Hein, on s'en sert. Voilà. Allez, bon courage.